bon test. Amen. On peut lever les mains vers le Seigneur. On va vraiment rentrer dans sa présence. Amen. Il a des choses à nous dire ce matin. Alléluia. Prions par l'Esprit. Fermons les yeux et focalisons-nous. Focalisons-nous vers le Dieu vivant et vrai. Il est là. Il est là. Il est là. Je serai.
peut vraiment proclamer ses paroles dans le chant. Tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. Encore. Tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. Encore une fois. Où tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. Où tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Où tu iras, Jésus, nous irons. Et ce que tu veux que nous soyons, nous le serons. Et peu importe le prix, Seigneur, nous irons. Par ta grâce, nous irons. Seigneur, nous ne voulons pas regarder au prix à payer, mais à la gloire à venir, qui ne peut pas être comparée au prix à payer dans ce temps présent. Seigneur, merci de nous toucher d'une manière spécifique ce matin, pour que nous soyons prêts à tout te donner. Tout te donner, sans rien retenir, car tu en es digne. Tu es le roi de gloire, Seigneur du ciel et de la terre, qui a livré sa vie pour nous, qui a payé le prix de notre liberté. Seigneur, tu as tout donné. Tu nous as donné le modèle à suivre, toi qui as tout donné. À notre tour, nous voulons apprendre à tout te donner. Seigneur, merci pour ton esprit de révélation. Merci pour ta grâce. Seigneur, je m'efface complètement et je te laisse prendre toute la place par ton esprit. Car toi seul peux nous édifier. Toi seul peux nous transformer. Seigneur, je prie aujourd'hui encore pour des vies transformées. Car ta parole édifie et libère. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous, dès maintenant et à jamais, Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. On peut remercier le groupe de louanges. Amen. Gloire à Dieu. On peut remercier le groupe de louanges. Gloire à Dieu. C'est un honneur, un privilège, frères et sœurs, d'être devant le peuple de Dieu. Et j'ai pas mal de choses à vous dire ce matin et je pense que Dieu va nous faire grâce. Amen. Vous savez, le titre du message, il sera très simple, c'est à l'image de ce que nous avons chanté. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Jésus ? Et vous savez que tôt ou tard, cette question va se poser. Jusqu'où, Seigneur, je suis prêt à aller pour toi. Au-delà des paroles, au-delà de la théorie, au-delà de ce que je sais par cœur, mais concrètement, dans le feu de la persécution, dans le feu du combat, jusqu'où je suis prêt à aller. Vous savez, ce n'est pas facile de répondre à cette question. Jusqu'où je suis prêt à aller. Et vous savez, le Seigneur nous a dit dans Matthieu 7, 13, 14, que le chemin de la vie, le chemin qui nous mène vers notre récompense céleste, il est étroit. Il est resserré. Il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le Seigneur dit, il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire que la question de savoir, mais jusqu'où je suis prêt à aller pour le Seigneur, est-ce que je suis capable d'achever la course, c'est une vraie question qui se pose. Parce que notre but, frères et sœurs, c'est qu'au crépuscule de notre vie, nous puissions dire,
comme Paul, j'ai achevé la course. Seigneur, j'ai gardé la foi. Et la couronne de gloire m'est réservée. Mais si Paul dit ça, ça veut dire qu'il est possible de perdre la foi en chemin. Ça veut dire qu'il est possible de faire naufrage. Ça veut dire qu'il est possible de rater le but et de rater la cible. Paul dit, j'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'en dépit de tout, en dépit de tous les combats et les épreuves, et de tout ce qui a été dressé devant moi pour perdre cette foi, Père, j'ai gardé la foi. On sent dans cette parole quelqu'un qui a combattu. Ce n'est pas quelqu'un qui a traversé le chemin tout seul. On sent dans cette parole qu'il a dû se battre pour conserver cette foi. Et à un moment donné, Paul va nous dire, mais qui porte même sur son corps les marques de Jésus. Parce que ce chemin est tellement étroit, frères et sœurs, resserré. Et vous savez, le mot resserré, c'est la même racine que tribulation. Ça veut dire qu'en fin de compte, même quand on y passe, frères et sœurs, il est tellement plus petit que nous qu'il nous laisse des marques. Il est véritablement resserré. Il nous laisse des traces. Les traces de son passage nous marquent. Et nous transforme en un autre homme, en une autre femme, en une autre personne. Et la foi ne devient plus pour nous de la théorie, mais une pratique, une réalité, une vie. Parce qu'en fait, notre foi, c'est notre vie. Si on ne comprend pas que notre foi, c'est notre vie, que Jésus, c'est notre vie, ce ne sera que de la théorie. Et vous savez, il y en a beaucoup dans les Écritures qui ont eu du mal à garder la foi. Et aujourd'hui encore, vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent dire comme Ésaïe, dans Ésaïe 6:8. Vous savez, dans Ésaïe 6:8, dans la vocation, quand Ésaïe est appelé, Dieu dit, mais qui enverrai-je? Et qui marchera devant nous? Mais c'est saisissant, ça, c'est un peu... Et la réaction qu'on a, c'est un peu celle que Jean a eue dans le livre d'Apocalypse. Quand il est dit devant le trône que ben, le livre scellé, personne n'a été trouvé digne sur la terre de rompre les sceaux. Jean a dit, mais c'est pas possible. Attends, les prix qu'on a payés, personne n'est digne. Et la Bible dit que Jean a pleuré. Parce que seul l'agneau immolé était digne d'en rompre les sceaux, de l'ouvrir, d'en rompre les sceaux. Et là, c'est comme dans Ésaïe 6:8, dans la vocation d'Ésaïe, mais c'est comme si Dieu disait, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Mais comme s'il n'y avait personne. Mais qui enverrai-je? C'est-à-dire, Dieu, par cette question, il cherche. Ça veut dire qu'il cherche qui est prêt à payer le prix. Qui est prêt à ne faire aucun cas de sa vie? Qui est prêt à aller au-delà de ses besoins personnels? Qui est prêt à tout abandonner? Et Ésaïe a tellement été interpellé par cette parole qu'il a, il s'est jeté à terre et il a dit, mais Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Comme un cri de détresse, Ésaïe dit, mais mince, alors s'il n'y a personne, au moins moi je suis là. Dans Ézéchiel 22, versets 29 à 30, pareil, alors que le peuple était dans le péché, alors que Dieu voulait libérer le peuple, mais il avait besoin, Dieu a toujours besoin d'un appui. Vous savez, Dieu peut tout faire seul. Il a créé le ciel et la terre. Qui d'entre nous était là? Personnellement, je n'étais pas. Hein. Ceux qui étaient, vous allez me raconter. Seul, sans l'apport d'un homme. Ça veut dire que Dieu peut se passer de l'homme, Dieu peut se passer de nous. C'est son bon vouloir qu'il a voulu se créer des fils et des filles. C'est un mystère qui me dépasse. Là, l'intelligence est totalement larguée. Donc Dieu peut se passer de nous, mais il a décidé, c'est merveilleux, il a décidé de placer sa parole au-dessus de lui-même. Ce qui veut dire que quand on est dans sa parole, il est prêt à l'exécuter, à obéir, il est prêt à dire « Amen ».
quand on est dans sa parole et quand on proclame sa parole, ses promesses, c'est une grâce. Parce qu'il a décidé qu'elle était au-dessus de lui, c'est merveilleux. Alors ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a décidé de s'appuyer sur des hommes et des femmes pour faire accomplir ses plans et faire sa volonté. C'est-à-dire vous et moi. Et c'est pour ça qu'il cherche. Il pourrait faire seul, mais c'est merveilleux, il cherche. Et dans Ézéchiel 22, 29 à 30, il est dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais Dieu finit par dire « Mais je n'en trouve point. » Ça veut dire que le Seigneur cherche, et encore aujourd'hui, Dieu cherche. Dieu cherche ceux qui sont prêts à aller au-delà de nos limites. Il cherche un cœur, des cœurs disposés. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, Dieu va nous secouer. Dieu va secouer, mais violemment. Dieu va tester les fondements de chacun. Le feu va éprouver ce qu'est réellement le fondement de chacun. Et Dieu va mettre en lumière ce qui est encore caché. Je vous le dis de la part du Saint-Esprit. Dieu va révéler dans notre intérêt. Pas parce que Dieu est quelqu'un qui prend plaisir à exposer les choses. Non, c'est parce que nous avons intérêt à avoir un fondement solide, frères et sœurs. Là où il veut nous emmener, nous avons intérêt, plus que jamais, dans cette saison particulière, à travailler nos racines, nos fondements. Plus que jamais. C'est la saison où il ne faut pas rater le coach. Il y a le temps de la patience, et il y a le temps où le Seigneur dit maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Et là, on est dans le maintenant de Dieu. On l'a souvent prêché, on est dans le maintenant de Dieu. Et on va se rendre compte, frères et sœurs, au travers de quelques exemples de la parole de Dieu, que vous savez, même certains qui étaient appelés, à un moment donné, n'ont pas pu payer le prix. Et ces choses sont écrites pour nous instruire, pour nous inspirer, pour nous interpeller, pour nous aider à être vigilants, pour savoir où ont-ils failli. Malgré la grâce, l'onction, malgré l'amour pour Jésus, où ont-ils failli pour finalement jeter l'éponge? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le chemin est resserré, très étroit. Et quand on y passe, n'oublions pas, nous avons les marques de Christ en nous. Quelqu'un qui est marqué par Jésus, ça se voit. Ce n'est plus le même discours, ce n'est plus le même langage. Les choses n'ont plus la même valeur, on ne plaisante plus pour des choses qui ne servent à rien. On a l'urgence du moment et du temps qui file. Et vous savez, frères et sœurs, en tout état de cause, il y aura toujours un prix à payer. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si le prix, nous ne le payons pas pour le Seigneur, on le paiera pour quelqu'un. De toute façon, il y aura un prix à payer. C'est-à-dire que ne pensons pas que quand on ne paye pas le prix pour aller loin avec Jésus, on ne paiera pas le prix. Non, on paiera un prix. Parce que suivant le chemin que l'on va prendre, on va payer un prix. Et qui risque de nous coûter énormément. On va voir que certains ont payé un grand prix. Vous savez, en Judée, au-delà du Jourdain, il y avait un jeune homme riche. Dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Et vous savez, cet homme, ce jeune homme, spontanément, il a couru vers Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est que personne ne m'a rien demandé. On m'a pas dit, viens devant l'autel, donne ton cœur à Jésus. Spontanément, il a été vers Jésus. Et il pose la question, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, donc Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels?
lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il a couru vers Jésus et il finit finalement par s'éloigner de Jésus. Couru vers Jésus, passionné pour Jésus, prêt à foncer pour Jésus, personne ne lui a rien demandé et il finit par quitter Jésus. Pourquoi ? Parce que Dieu, et il fait la même chose avec nous aujourd'hui, a mis le doigt sur son point faible, sur sa faiblesse. Dieu a mis le doigt sur ce qui était capable de venir s'élever comme un mur entre lui et le jeune homme. Ce qui était capable, et chez lui c'était déjà le cas, de devenir même une idole, au point de bloquer sa relation, sa communion avec le Seigneur. Il a mis le doigt sur la faiblesse, et Dieu mettra toujours le doigt là où ça fait mal, sur les choses qu'on a du mal à lâcher, sur les choses qui nous tiennent à cœur, mais qui peuvent être pour nous une véritable pierre d'achoppement. Dieu mettra le doigt. Et chaque fois que Dieu mettra le doigt, à chaque fois, il faudra dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt ou pas? Tu comprends, Raymond? Est-ce que je suis prêt ou pas? J'entends l'Esprit de Dieu qui te pose également cette question. Seras-tu prêt à payer le prix? Les petites choses qu'on peut abandonner, lâcher facilement, vous inquiétez pas, ça n'intéresse pas Dieu, ça. Hein. C'est trop facile. Hein. Ah bon? Maintenant, ça, Seigneur, non. C'est le truc qui vous tient bien à cœur, là. Vous avez du mal à lâcher, là. C'est ça qu'il va pointer. C'est ça qu'il va pointer. Et Dieu me dit que tu as aussi un défi en ce moment, là, Pierre, lui, par rapport à ça. C'est ça qu'il va pointer pour dire lâche. Lâche. Il ne pointera pas autre chose. Et là, il faudra se dire, mais Seigneur, est-ce que je lâche ou je ne lâche pas? La passion ne suffit pas, là. L'amour ne suffit pas. Il faut, à un moment donné, décider, même si ça coûte, de dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais en lâchant ça, mais je le lâche parce que je te fais confiance. Et ce choix, Dieu ne le fera pas à notre place. Eh oui, il peut tout faire. Mais il a décidé de ne faire que sa part. Et c'est déjà beaucoup. Et on doit faire la nôtre. Et la décision de dire, Seigneur, je lâche, Jésus l'a laissé le jeune homme riche. Hein. Vous savez, quand il est reparti, il n'est pas parti le rattraper avec un lasso. Hein. C'est triste. Mais il a laissé. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous dit, il faut lâcher. Ce qui peut se dresser dans nos cœurs comme une idole, comme un mur entre lui et nous. Ce qui peut faire plaisir à la chair. Quand on marche par l'esprit, on n'accomplit plus les désirs de la chair. Amen. De toute façon, c'est très simple, curseur, frères et sœurs. Ce qui fait du bien à votre chair, abandonnez-le. C'est simple, hein? Et vous savez, quand ça fait mal à la chair, quand vous le laissez, c'est bon. Amen. Quand ça fait mal à la chair, là vous souffrez, c'est dur, Seigneur, c'est le bon, c'est ça le chemin. C'est le chemin de l'esprit, puisque l'esprit a des désirs contraires à la chair. Donc dès que la chair souffre, qu'elle est en train d'être crucifiée, mais c'est bon, c'est ça, c'est la marche par l'esprit. Et c'est par là qu'il faut aller. C'est le signe que c'est le bon chemin. Amen. Donc plus c'est douloureux, frères et sœurs, c'est là le chemin. C'est là le chemin. C'est le chemin de la croix. Et la croix, avant d'être une gloire, elle est un sujet de souffrance et de douleur d'abord. Car le chemin de la vie est un chemin qui coûte et qui procure de la souffrance et de la douleur. Il faut le savoir. Mais c'est un chemin de gloire. C'est un chemin de gloire. Et c'est un chemin où ça vaut la peine de voir la fidélité de Dieu. La bonté de Dieu et son amour en tout temps.
Donc acceptons de souffrir en lâchant ce qui fait du bien à la chair. Vous savez, le sentimentalisme a écarté Barnabas de sa destinée. C'est incroyable. Dans Acte 15, je vais vous donner les versets, je ne vais pas les lire pour qu'on aille plus vite. Acte 15, versets 36 à 40. Vous savez, Barnabas, quand l'église d'Antioche, la première église non-juive, a commencé à grandir, l'église de Jérusalem a envoyé Barnabas à Antioche pour voir ce qui se passait. Et Barnabas est parti chercher Paul pour aller enseigner les chrétiens à Antioche. Et ils ont formé une équipe. Et le premier voyage missionnaire, ils l'ont mené ensemble. C'est Barnabas qui a tendu la main d'association de Paul vers l'église de Jérusalem. C'est lui qui a pris Paul par la main pour leur dire, cet homme-là, n'ayez pas peur, je l'ai vu risquer sa vie pour Christ à Damas. Il a été transformé. Et dans l'équipe, c'est pratiquement Barnabas qui était le chef. C'est lui qui était un peu le chef de l'équipe pendant le premier voyage missionnaire. Ce n'était pas Paul. Mais voilà que Barnabas fait du sentimentalisme au moment du deuxième voyage missionnaire. Il a voulu emmener Marc, son cousin. Et Paul lui a dit, on n'emmène pas Marc. Il nous a lâchés au premier voyage quand c'était chaud. Quand c'était chaud, il est parti là. Il a dit, il est retourné chez sa mère à Jérusalem. Donc, sérieux, hein? Sa mère qui s'appelait Marie. Donc, Paul a dit, ce gars-là, cousin ou pas cousin, Barnabas, il ne vient pas avec nous. Et Barnabas a dit, il vient. Attends, Paul a dit, mais je te dis, on n'a pas besoin des gens qui vont nous retarder en gros. On va faire l'œuvre de Dieu. On a besoin de gens bouillants, pleins de feu. Marc, je n'en veux pas. Cousin ou pas, je n'en veux pas. Et Barnabas n'a pas voulu lâcher. Il n'a pas compris que dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu voulait leur faire rentrer, Marc allait être véritablement un fardeau. Il s'est accroché à son cousin. Et que dit la Bible ? Il s'est tellement accroché à son cousin que ce sentimentalisme l'a rendu aveugle. Parce que la Bible nous dit que lui, avec son cousin, il est parti à Chypre, qui est le lieu natal de Barnabas. Barnabas sort des radars. On n'entend plus jamais parler de Barnabas. Fini. Depuis qu'il est retourné à Chypre, on n'entend plus parler de Barnabas. Marc a été restauré dans sa relation avec Paul. Mais Barnabas, on n'entend plus à cause du sentimentalisme. Alors qu'ils étaient censés faire ce voyage ensemble et continuer l'œuvre de Dieu. Puisque Paul lui a dit, allons fortifier les églises que nous avons bâties ensemble. Allons fortifier, allons voir si elles se portent bien. Paul a continué. Et Barnabas a oublié les clés du voyage missionnaire, être envoyé par l'église et sous la couverture de l'église. Il est parti dans son coin. Paul a pris une nouvelle équipe apostolique et il s'est mis sous la couverture de l'église. Il a été envoyé. Résultat, Barnabas terminé, Paul, son ministère explose. Il explose. Et tout ça à cause de quoi ? Du sentimentalisme. Frères et sœurs, le sentimentalisme peut vous faire sortir du plan de Dieu. Si vous avez du mal à trancher, parce que père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, etc., tata, tati, etc., ça va vous faire sortir du plan de Dieu. Veille à ça, Laetitia. Je le dis à la part du Seigneur, veille sur ça. Ça va vous faire sortir du plan de Dieu, le sentimentalisme. Des fois, ça ne marche pas avec la marche par l'esprit. Des fois, il faut savoir dire non. Amen. Tu comprends, Kevin ? Il faut que tu apprennes à dire non, mon frère. Parce que si vous ne savez pas dire non, Barnabas avait le feu. Barnabas était passionné. Barnabas était même le chef d'équipe d'un homme comme Paul. Barnabas avait vendu son champ, il a donné l'argent au pied des apôtres. Il avait tout donné. Barnabas a pris Paul
Barnabas a soutenu Paul auprès des apôtres pour qu'on le reçoive, on l'accueille, parce qu'il avait vu que cet homme n'était plus un persécuteur de l'Église. Et voilà Barnabas qui finit à Chypre. Frères et sœurs, ces choses sont écrites pour nous instruire et pour nous enseigner. Le sentimentalisme peut nous perdre. Amen. Démas, dans 2 Timothée 4, 9 et 10, 4 versets 9 et 10, Démas, c'était un des compagnons d'œuvre de Paul. Il a abandonné Paul, frères et sœurs. C'était un de ses compagnons d'œuvre, de combat. La Bible nous dit, Paul dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. L'amour du monde a écarté un des compagnons d'œuvre de Paul de sa destinée. Il avait trop l'amour du monde, et pourtant il servait, il combattait. Il luttait avec Paul, il avait du fruit, il produisait des miracles, il était un compagnon d'œuvre de Paul, vous vous rendez compte? Mais cet homme, malgré qu'il servait, l'amour du monde était encore caché dans son cœur. Il avait un problème qu'il n'avait pas réglé, il aimait encore le monde. Et vous savez, tous ces désirs charnels qui sont enfouis au fond de nous, il suffit simplement que le feu de l'épreuve s'intensifie pour que ça sorte en pleine lumière. Et c'est ça que Dieu va faire dans les temps présents, frères et sœurs, dans notre intérêt. Dans notre intérêt. Il va nous faire passer par le feu du fondeur. Ce n'est pas le feu qui est destiné à nous détruire, non. C'est le feu qui est destiné à détruire le mal qui est en nous. Amen. Pas nous détruire, frères et sœurs. Le feu de Dieu n'est pas destiné à nous détruire. Il est destiné à nous purifier, à nous épurer, à nous passer au creuset pour faire de nous des hommes et des femmes dignes de le suivre. Amen. Et c'est l'heure. C'est l'heure, frères et sœurs. C'est l'heure. Et vous voyez que tous les combats qu'avait mené Démas, tous les combats qu'avait mené Barnabas n'ont pas tenu devant le jugement de Dieu. Ça n'a pas fait le poids. À un moment donné, Dieu a estimé qu'il manquait de poids. Et Dieu va toujours nous peser sur sa balance divine, pas la balance des hommes, pas l'approbation des hommes. Vous pouvez être approuvé des hommes, mais rejeté de Dieu. Mais rejeté des hommes, approuvé de Dieu. Et il va nous peser dans la balance divine. Que pesons-nous? Est-ce que nous manquons de poids comme Belshazzar, le successeur de Nebuchadnezzar? Où Dieu a dit, j'ai trouvé que tu as manqué de poids et je t'arrache le royaume de Perse par les Mèdes. Amen. C'est le temps, frères et sœurs. C'est le temps où nous ne nous leurrons pas par le service. Nous ne nous leurrons pas par les fruits que nous pouvons porter. Nous ne nous leurrons pas par ce que nous pouvons construire ou bâtir. Nous ne nous leurrons pas par la passion que nous avons pour le Seigneur. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ce qui compte, c'est l'intégrité. Ce qui compte, c'est la réalité de notre désir de nous sanctifier. Ce n'est pas que nous sommes déjà arrivés, loin de là, nous avons tous des faiblesses. Mais Dieu voit en nous le désir de payer le prix. Et quand il voit le désir de payer le prix, il libère la grâce. Car la réalité, c'est que nul ne peut payer le prix sans la grâce. Mais quand le désir est sincère, c'est seulement quand le désir est vrai, authentique, sincère, de vouloir aller loin avec le Seigneur, que là, il va libérer la grâce. Si on est des fanfarons, si on s'amuse avec notre foi chrétienne, s'il voit qu'en fin de compte, ce n'est pas grave pour nous, ce n'est qu'un jeu, la grâce ne sera pas libérée. Et finalement, on va tourner en rond et on ne va produire aucun fruit. Et on sera rejeté. Les plus grands ont été rejetés, frères et sœurs. À plus forte raison, nous. C'est pour ça que Jésus dit, mes amis, le chemin de la vie est resserré. C'est pour toutes ces choses. Le chemin de la vie est resserré. On y passe comme en y laissant des marques. Ça coûte quelque chose de suivre Jésus, frères et sœurs.
Ça a coûté le Seigneur, ça nous coûtera quelque chose. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? Sommes-nous prêts à payer ce prix? Et Démas, vous voyez, Démas avait caché ça au fond de lui. Rien n'est caché au projecteur de Dieu. Amen. Ce qui est caché aux yeux des hommes ne l'est pas au projecteur de Dieu. Donc mettons ça devant le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas que ce soit pour moi une occasion de chute. Mais libère-moi de cette faiblesse. Libère-moi de cette faiblesse, c'est-à-dire je veux passer par la croix. Accorde-moi ta grâce, je veux vivre pour toi. Je veux lâcher ça. Amen. Je ne parle pas d'Ananias et Saphira. Vois les mensonges. Vois les mensonges. Dieu n'a pas hésité. Ça a été violent. Acte 5. Géasi, serviteur d'Élisée. Vous lirez cette histoire dans 2 Rois 5, versets 25 à 27. Géasi, qui était le serviteur de l'homme qui a reçu la double onction qui était sur la vie d'Élie. Et lui marchait à côté de lui, il dormait avec lui tous les jours, hein, le gars. Mais voici que Naaman, qui avait une lèpre, qui était un général syrien, il arrive, après avoir reçu les conseils de sa servante, il arrive en Israël, parce qu'il a appris qu'il n'y a que là-bas qu'il pouvait recevoir le miracle, la guérison de sa lèpre. Et une fois qu'il est guéri, Élisée ne le reçoit même pas, il dit le long là-bas, qu'il aille dans le fleuve du Jourdain. Là. Bon. Il se lave 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Élisée ne prend même pas la peine de sortir de sa tente. Il est purifié, sa peau devient comme celle d'un bébé. Il veut payer Élisée. Élisée dit non. Je veux rien. Il s'en va. Monsieur Géasi le suit en douce là. Monsieur le général Naaman. Finalement, mon maître a changé d'avis. Ah bon, oui. Maintenant, il veut tout. Donc il a tout pris, tout. Il prend tout. Et après, il arrive. Attends, le gars qui côtoyait Élisée, dont la finesse de la révélation était grave. Donc, le péché, le mensonge, le vol, c'est-à-dire à un moment donné, frères et sœurs, le péché nous aveugle. En fin de compte, on agit, mais de manière absurde. C'est-à-dire que le diable réussit à nous mettre un voile au point que Géasi oublie même que Élisée a une révélation grave des choses par le don de Dieu. Il arrive, il lui dit, mais où étais-tu, au fait? Nulle part, en gros. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Ah, en plus, c'est bien dit, hein. Ouh, arrosé et tout, quoi, voyez. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Élisée a tout cité. Il a même rien, mais il a tout cité. Hein. Je suis sûr qu'il n'a rien oublié, Élisée. Hein. Sans rien voir, il a rien oublié, vous voyez. Là, Géasi a dit, mais mince alors. Hein. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Non seulement lui a été perdu, frères et sœurs, mais sa descendance. Sa descendance. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, le fait de côtoyer un homme ouin, une femme ouinte, ça ne fait pas de vous quelqu'un de ouin. Le fait de côtoyer quelqu'un qui est consacré, homme ou femme qui est consacré, ça ne fait pas de vous quelqu'un de consacré. Vous allez devoir, chacun va devoir puiser son propre puits et aller chercher ses propres sources. Par contre, il faut s'inspirer de la foi et de la grâce et de la vie de ceux qui ont payé le prix. La Bible nous dit dans Hébreux 11 d'imiter leur foi. Mais une fois qu'on a imité leur foi, nous allons devoir maintenant aller creuser nous-mêmes et trouver notre propre trésor parce qu'il nous est spécifique. Et un Élisée à vos côtés peut vous faire accélérer les choses si vous captez la part que vous avez à faire. Mais si vous pensez que son onction suffit, vous avez tout raté.
Et pareil, Judas Iscariote, lui, il a côtoyé le plus loin des loin, le Seigneur du ciel et de la terre. Cet homme, pendant plus de 3 ans, était sous l'onction. Est-ce qu'on peut éteindre celle-là ? Était sous l'onction. Sous l'onction du Seigneur. Pendant plus de 3 ans. Il a fait des miracles, des choses extraordinaires. Mais est-ce que l'onction du Seigneur l'a transformé ? Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Là, nous ne parlons pas d'un homme comme nous, là. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le modèle par excellence de celui qui est loin. Cette onction n'a pas transformé le cœur de Judas Iscariote. Ça veut dire, frères et sœurs, ayons des modèles de foi, ayons des exemples devant nous pour nous inspirer, mais allons creuser et chercher par nous-mêmes. Pour lâcher, et là Dieu va nous dire de lâcher ce que nous avons du mal à lâcher. Parce qu'à un moment donné, pour aller beaucoup plus loin, il va nous dire, là tu dois absolument lâcher cela si tu veux aller beaucoup plus loin. 30 pièces d'argent, la valeur d'un esclave. Il a accepté ça pour livrer le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point il était perverti ? Cupidité. La cupidité l'a perdu. Vol, cupidité. Il n'a pas su vaincre, il n'a pas su lâcher ça. Il n'a pas su recevoir la grâce pour vaincre la cupidité. Et ça l'a écarté de sa destinée. L'un des 12, frères et sœurs, l'un des 12, Jean 12, 4 à 6 et Matthieu 26, 15. Et vous savez, notre adversaire, il a un excellent radar pour capter nos faiblesses. Un excellent radar pour savoir comment nous instrumentaliser, comment nous utiliser. Si on a du mal à vaincre ça, si on ne veut pas se libérer de ça, il a un excellent radar. Il rôde comme un lion rugissant. Si on a le désir de servir le Seigneur de tout notre cœur, Dieu nous accordera la victoire. Mais si on veut plaisanter avec notre vie chrétienne, nous serons instrumentalisés par notre adversaire. Amen. Comme Judas lui-même. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans sa grande miséricorde, le Seigneur pourra transformer néanmoins le mal en bien. Ça, c'est l'amour de Dieu et la miséricorde du Seigneur. Qui fait que par la repentance, même lorsque Satan nous a instrumentalisés, il réussira quand même à transformer le mal en bien. Mais il vaut mieux éviter de perdre du temps. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, comme les hommes vaillants de David, vous lirez les hommes vaillants de David. Les hommes vaillants de David ont donné leur vie, étaient prêts à donner leur vie pour David. Et vous savez, en lisant, je voyais qu'il y a une analogie entre les hommes vaillants de David et nous et le Seigneur. Les hommes vaillants de David, c'était des gens qui ont été pris, personne ne voulait d'eux, des marginaux. C'était des marginaux, des reclus de la société, personne ne voulait d'eux. Et ce sont des gens comme nous. Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles, pour confondre les fortes et les sages. Ils se sont mis à servir le Seigneur. Et dans la présence de David, notamment dans la caverne d'Adoulam, dans le désert, quand ils étaient poursuivis par Saül, ils ont été transformés. Et ces hommes, frères et sœurs, sont devenus des hommes vaillants, des hommes puissants. Au début, ils étaient 400. Ils sont finis à 600. Ils sont devenus des hommes vaillants qui étaient prêts à donner leur vie pour David, à donner leur vie pour Israël, à donner leur vie pour la royauté. Ils étaient prêts à payer le prix. À un moment donné, David avait soif quand il était poursuivi par ses ennemis. Il a dit, oh, si je pouvais boire de l'eau de la citerne côté de Bethléem. Dès que 3 hommes vaillants ont entendu ça, dont un qui s'appelle Hushai, il n'a même pas fallu que David le répète 2 fois, frères et sœurs. Ils ont bravé l'ennemi. Ils ont été dans le camp des Philistins. Ils ont pris cette eau, ils l'ont emmenée à David. Et quand David a fait ça, David a vu ça, David a dit, je ne peux pas boire cette eau. Il a offert en offrande à Dieu. Il a dit, cette eau-là, c'est le prix du sang des hommes. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Des personnes rejetées de tous, mais que Dieu transforme pour qu'ils deviennent véritablement des hommes
exceptionnels. Des gens reclus, mais Dieu ensuite les a équipés, comme il nous équipe. Et après les avoir équipés, ils ont été capables d'accomplir des exploits extraordinaires. L'un d'entre eux a tué avec une seule lance 800 hommes, un autre 300, un autre a tué un lion. Les hommes vaillants de David. Aujourd'hui, nous sommes ces hommes-là et ces femmes-là pour le Seigneur, qui doivent être capables de donner notre vie pour le roi des rois. Non plus pour le roi David, mais pour le roi des rois. Et à un moment donné, frères et sœurs, Dieu va nous dire, mais eux, ils étaient prêts à payer le prix. Et dans la royauté, quand David est devenu roi, frères et sœurs, ils sont tous devenus la garde rapprochée de David. Ils étaient au palais du roi. Et c'est eux qui étaient les plus proches de David. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. C'était la garde rapprochée de David. Ces hommes-là, ils sont devenus la garde rapprochée du roi. Et même quand Adonijah a voulu faire un sale coup à Salomon pour lui prendre le trône, beaucoup ont abandonné, notamment Joab à ce moment-là. Ils sont restés fidèles alors que David était dans le lit de mort. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, mais qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu être véritablement Seigneur ? Seigneur de toute notre vie, même dans la souffrance, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu devenir le Seigneur de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu devenir le corps de le Seigneur de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est-à-dire le temple de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à le laisser devenir Seigneur de nos projets, de nos ambitions, de nos finances ? Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas la situation que nous traversons, mais que nous le faisons confiance, même si c'est terrible. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, même si Père et Mère nous abandonnent ? David a dit dans le psaume 27:10, il continuera. Sommes-nous prêts à perdre notre réputation, comme David qui a quitté le trône face à Absalom, humilié, mais qui est resté fidèle. Et vous savez, maintenant Jésus va nous appeler à sortir de notre confort, notre zone de confort. Vous savez, c'est le temps où il va nous demander de sortir notre zone de confort. Je le reçois pour toi, mais beaucoup d'entre nous sommes concernés, mais je le reçois en particulier pour toi. De sortir de notre zone de confort. Et c'est quand on va décider de sortir de la zone de confort, frères et sœurs, c'est là où les secousses vont commencer. Je vais terminer par là. Vous savez, dans Matthieu 14, 29, quand Pierre a vu Jésus marchant dans les eaux, quand il a vu Jésus marchant sur les eaux, il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Vous savez, Jésus a dit un seul mot. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ? Viens. Comme, viens. Sors de ta zone de confort dans ta barque et marche sur les eaux. Pierre voulait expérimenter le surnaturel divin. Jésus lui a dit, tu veux expérimenter le surnaturel, Pierre, sors de ta zone de confort et marche sur les eaux. Accepte de prendre le pas de foi, d'aller là où tu sais pas où tu vas. Tu ignores où tu vas. Tu n'as jamais fait ça. Mais aie confiance que je ne te lâcherai pas. Pierre, viens. Ose te séparer de tout ce qui alourdit ta marche, de tout ce que tu aimes voir, de tous les plaisirs de ce monde, tout ce que tu aimes regarder, faire, aller là où tu aimes aller. Lâche tout ça, ose sortir de ta zone de confort. Et tu verras ma gloire. Mais après être sorti de la barque, après être sorti de la zone de confort, il faut garder les yeux fixés sur lui. Et c'est ce que Pierre a oublié, frères et sœurs. Pierre est sorti. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé les eaux.
Il a regardé, il a dit, mais mince alors, c'est la mer là. Et là, il s'est mis à enfoncer. Ça veut dire, quand tu sors de ta zone de confort, ne regarde pas aux circonstances. Parce que les circonstances, surtout quand elles sont terribles, elles vont tout faire pour capter ton attention, pour capter ta vue, pour capter ton regard. Et là, tu vas t'enfoncer. Alors, garde les yeux fixés sur lui. Amen. Donc, frères et sœurs, il dit, viens. On peut lever nos mains. Viens. Viens. Sors de cette zone. Marche sur les eaux. Car tu peux marcher sur les eaux. Tu es destiné à vivre le surnaturel divin. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Vous êtes destiné à marcher dans le surnaturel. Nous sommes destinés à cela, frères et sœurs. Sortons de notre zone de confort. Mais une fois que nous avons tout lâché, gardons les yeux fixés sur lui. Parce que si nous regardons aux eaux, comme Pierre, si nous regardons aux difficultés, aux épreuves, elles vont capter notre regard et nous allons nous enfoncer dans les eaux. Les épreuves vont nous engloutir. Levons les mains. Je fais une courte prière et je laisse la place à Catherine. Levons les mains, prions par l'esprit. Frères et sœurs, c'est le moment. Prions. C'est le moment de sortir de la zone. C'est le moment, frères et sœurs, de marcher dans les grandes eaux. C'est le moment de payer le prix. C'est le moment de lâcher tout ce qui nous retient dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus. C'est le moment de vaincre. Nous sommes destinés à vaincre. Recevons cette grâce. Recevons cette grâce. Shanda Braye. Recevons. L'Esprit de Dieu va toucher maintenant et encourager. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le toucher de l'Esprit dans le nom de Jésus. Recevez la transformation de l'Esprit. Recevez le feu de Dieu qui transforme les vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il veut transformer. Recevez son toucher dans le nom puissant de Jésus. C'est le temps, frères et sœurs. Il est l'heure. C'est l'heure. Lâchons prise. Recevez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez son onction pour vaincre. Certains parmi vous sont dans une vraie lutte maintenant. J'aimerais faire appel à l'équipe de prière, s'il vous plaît. Cette équipe de prière est à votre disposition si vous luttez vraiment pour faire de Jésus et lui seul le maître de tout. Cette équipe va se tenir avec vous. Vous allez vous lever, vous allez vous approcher et ils vont s'associer avec votre prière si vous êtes dans une lutte, un vrai combat, notamment dans trois domaines. Je vois trois domaines de combat. La famille qui vous retient, première chose. La famille, la réputation dans la famille. C'est un combat que tu es destiné à gagner. Deuxième domaine, confort matériel. Troisième domaine, désir charnel. L'onction est là pour briser des liens dans ces trois domaines. Famille, confort matériel, désir charnel.
pendant qu'on continue à adorer Dieu et à faire de Jésus notre maître, je vous invite à vous approcher maintenant. Recevez la prière, recevez le soutien, brisez ces choses qui traînent depuis des années, qui se sont accrochées à votre âme, qui ont fait blocage à votre avancement spirituel. Il est temps aujourd'hui, parce que Dieu lui-même a décidé que c'est le jour de votre consécration et le jour de votre victoire. Adorons-le. Chantez en langue si vous voulez. Vraiment, restez connectés encore 2-3 minutes à l'œuvre de Dieu. Si vous désirez la prière, venez, avancez, faites la queue. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Chantons tous. Heureux, attisons-nous la passion pour toi, la passion pour ton nom. Viens dans ce lieu et sois le seul maître. Chantons encore. Esprit de Dieu, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur et sois le seul. Une dernière fois. L'Esprit de Dieu est là et il fait une œuvre très profonde. On va le laisser terminer, achever son œuvre. Et juste avant de vous envoyer avec une bénédiction, je vous rappelle le spectacle de Noël pour évangéliser. C'est ce samedi, c'est dans 6 jours. Alors aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour vous de procurer les billets. Ne partez pas sans procurer vos billets parce qu'un billet à 5 euros vous donne le droit d'inviter 2 personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui vont entendre l'évangile ce samedi à 17h. Pensez-y avant de partir. Le deuxième culte commence dans 30 minutes. Soyez sensibles au début de ce deuxième culte et respectons la présence de Dieu dans la louange et l'adoration qui démarre à 12h30, d'accord? Levez vos mains maintenant. Jésus, nous décidons, nous faisons le choix aujourd'hui de faire de toi notre seul maître. Aucun autre maître va nous priver de notre destinée en toi. Alors aujourd'hui, tu couvres ton peuple. Aujourd'hui, tu places ta main sur eux. Tu as posé ton regard sur tes enfants et tu les bénis et tu les fortifies dans leur consécration. Tu as suscité des choses et tu vas continuer à travailler tout au long de cette semaine. Tu as mis ton doigt sur des choses
et tu vas accomplir ta volonté parfaite. Et nous, nous quittons aujourd'hui avec cette pleine confiance que même si nous passons par la croix, la résurrection va suivre. Parce que le privilège de marcher avec toi est beaucoup plus grand que le prix à payer. Nous gardons nos yeux fixés sur le privilège, Seigneur. Je bénis ton peuple. Je bénis leur temps en famille. Je bénis leurs relations. Je bénis leurs finances. Je bénis leur démarche pour toi. Je bénis leur étude de ta parole. Tu les accompagnes de ta présence et tu te manifestes puissamment à travers tout ce qu'ils font en ton nom, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit, que Dieu vous bénisse.